Mesdames, messieurs, nous allons vous demander encore un petit peu d'attention dans le cadre de ce centenaire. Et je vais laisser maintenant la parole à l'ensemble de l'équipe de la bibliothèque, enfants, des écoles, adultes de la bibliothèque René Petit. Le premier obus éclatait à 6 pas de moi. J'ai été soulevée, projetée à 5 mètres, tout le corps anéanti, couvert de sang. Je me suis levée, abrutie, incapable d'articuler un son, et j'ai marché. Des hommes étaient couchés sur la route, morts. J'ai couru, quelle grêle d'obus. J'en entends un au-dessus de moi, je me lance dans la tranchée, il éclate à 1 mètre, je me relève, je pars de nouveau. Je me disais jamais, je n'arriverai à l'ambulance. À mon ami, ce que c'est la guerre mondiale. Lettre de Jean Pierrefeu à son ami 1914. François cria à Molne. Nous le tenons, c'est une impasse. À vrai dire, c'est eux qui nous tenaient. Ils nous avaient conduits là où ils avaient voulu. Arrivés au mur, ils se retournèrent vers nous résolument et l'un des deux lança le même coup de sifflet que nous avions déjà par deux fois entendu ce soir-là. Aussitôt, une dizaine de gars sortirent de la cour de la ferme abandonnée où ils semblaient avoir été postés pour nous attendre. Ils étaient tous encapuchonnés, le visage enfoncé dans leur cachonnet. Qui c'était, nous le savions d'avance. Nous reconnûmes dans la lutte leur façon de se battre et leur voix entrecoupée. Mais un point demeurait inquiétant et semblait presque effrayer Molne. Il y avait là quelqu'un que nous ne connaissions pas et qui paraissait être le chef. Bien droit sur ses deux jambes, le personnage inconnu suivait avec intérêt la bataille, répétant de temps à autre d'une voix nette. « Allez, courage, revenez-y, on a my boy !» Tu ne saurais croire l'héroïsme de nos soldats. Hier devait avoir lieu l'attaque d'une tranchée allemande. Au signal, les lieutenants s'élancent en criant « En avant, à l'assaut, pour la France !» Et l'un d'eux entonne la Marseillaise. Derrière eux, toute la section. Quel élan, quel enthousiasme pour ces hommes qui savent pourtant qu'ils n'ont aucune chance. Les lieutenants meurent, frappés à la tête. Les soldats tombent à leur tour. Impossible d'avancer. Les vivants se couchent et tentent d'amonceler de la terre devant leur tête pour se protéger des balles. Le commandant leur fait dire de se replier. Hélas, on ne peut ni avancer ni reculer. Il faut attendre la nuit. Au soir, un blessé me dit « Ce qu'il faut souffrir pour la France. » Lettre du docteur Martin Laval à sa sœur en 1915. Un texte d'Adrien Bertrand. Son roman « L'appel du sol », écrit en 1914, raconte l'histoire d'un officier qui périt sur la ligne de bataille au début de la guerre. Le bataillon était engagé sur un plateau. On avançait lentement. La veille, l'étape avait été très longue. Les hommes sentaient encore, après 3 heures de repos, une quarantaine de kilomètres dans les jambes et dans les reins, 2 journées et 2 nuits de voyage. En colonne, par compagnie et par section, l'un derrière l'autre, les chasseurs se suivaient. Ils marchaient la tête basse, sans un mot, remontant parfois le sac sur les épaules de leurs gestes mécaniques. Leurs bérets émergeaient des seigles hauts et de l'avoine. C'était la guerre. On marchait droit devant soi, sans rien épargner. Première dévastation, celle des cultures. Et ces paysans, respectueux hier des moissons ingrates, saisis déjà par cette ivresse de meurtre,
prenaient plaisir au saccage des champs. Ils assouvissaient leur rancune pour les durs labours des hivers passés, pour les gerbes moisies par la pluie, pour toutes les infidélités de la terre. Quelques-uns, qui étaient réservistes, songeaient en abattant avec le canon du fusil les céréales lorraines, au blé qu'ils venaient d'abandonner, à la veille du fauchage, dans leur haute vallée des Alpes et sur leur traversier des Cévennes. Mon général, je me permets de passer dans l'infanterie. Je considère que ma place est là où les risques sont les plus nombreux. Je fais partie d'une famille israélite naturalisée française. Je veux, après la guerre, si je reste en vie, avoir la satisfaction d'avoir fait le maximum de mon devoir. Je veux que personne ne puisse me contester le titre de Français, de vrai et de bon Français. Je veux, si je meurs, que ma famille puisse être fière de moi et que personne ne puisse lui reprocher ses origines étrangères. De toute mon âme et de tout mon cœur, je suis décidé à servir la France le plus vaillamment possible. Lettre du soldat Henri Lange à son général 1917. Un extrait de La main coupée de Blaise Cendrars. Tilloloy, c'était le bon coin. À part les obusiers qui tapaient sur Beuvraigne à midi, il ne se passait jamais rien. Par une belle matinée du mois de juin, nous étions assis dans l'herbe qui envahissait notre parapet, devisant paisiblement en attendant la soupe, quand tout à coup cet idiot de Faval bondit sur ses pieds, tendit le bras droit, l'index pointé, détourna la tête, la main gauche sur les yeux et se mit à pousser des cris lugubres, comme un chien qui hurle à la mort. « Oh, oh, regardez, quelle horreur! Oh, oh, oh !» Nous avions bondi et regardions avec stupeur, à trois pas de Faval, planté dans l'herbe, comme une grande fleur épanouie, un lys rouge, un bras humain, tout ruisselant de sang, un bras droit, sectionné au-dessus du coude, et donc la main encore vivante. Elle fouissait le sol des doigts comme pour y prendre racine, et dont la tige sanglante se balançait doucement avant de tenir son équilibre. D'instinct, nous levâmes la tête, inspectant le ciel pour y chercher un aéroplane. Nous ne comprenions pas. Le ciel était vide. Mais d'où venait cette main coupée? Alors nous secouâmes Faval. Parle, espèce d'idiot, d'où vient cette main? Mais qu'est-ce que tu as vu? Lettre, la dure réalité dans les tranchées. Notre tranchée a une longueur de 100 mètres. Elle est profonde d'un mètre et la terre a été jetée devant, si bien que l'on peut passer debout sans être vu. Elle est très étroite et par endroits, on l'a creusée plus largement pour pouvoir se croiser quand on se rencontre. Dans le fond, on a creusé de petites caves où un homme peut se coucher pour se protéger des obus. Lettre d'Adolphe Weigel, 1915. Je viens de déjeuner, mais qu'est-ce qu'une demi-boule de pain pour une journée? J'en ai mangé la moitié et j'ai encore plus faim. Rien que le matin, il me faudrait la boule entière. Le froid aiguise terriblement l'appétit et, ne pouvant le satisfaire, on est obligé de se recoucher. Lettre d'Étienne Tanty, 1914. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts aux quatre coins de terre. Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol, à la face de Dieu. Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu, parmi tout l'appareil des grandes funérailles. Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu et les pauvres des maisons paternelles. Heureux ceux qui sont morts dans cet embrassement, dans l'étreinte d'honneur et de terrestre aveu.
Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés dans la première argile et la première terre. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Charles Péguy, tué au combat le 5 septembre 1914. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Toutes les pages lues, toutes les pages blanches, pierre sans papier au centre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur les pins blancs des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des Mantes, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur les fruits coupés en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flou du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté! Merci à vous tous d'avoir participé à cette cérémonie. Allez, ouais. Bon, on peut rien. Sur le diaporama, on va être regardé comme vous êtes.